Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Quel sacrifice implique réellement le service pour Dieu ?» Bonjour à tous et bienvenue au pasteur Stéphane Cady, notre invité. Comment vas-tu ? Très bien Evelyne, très heureux d'être avec vous. Bonjour pasteur Stéphane, très contente de te recevoir. Annabelle est très très enthousiaste. Ah oui, 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 j'aime beaucoup Stéphane. J'aime ça beaucoup Annabelle. Tu as l'air un peu d'un robot quand même. Ils sont très amis tous les deux et ça risque d'être une émission mouvementée en général. L'amour soit sans hypocrisie. Amen, amen. Pasteur Stéphane, tu es pasteur à l'église de la Riviera à Beausoleil. Oui. C'est tout à côté de Nice, c'est ça? Entre Nice, oui, à côté de Monaco. J'habite entre Nice et Monaco, et l'église est plus près de Monaco, et pas loin de la frontière italienne. Une région, une région difficile au niveau climatique. Ah oui, il faut vraiment un appel de Dieu pour y être. Ouais. Et je l'ai, donc c'est bon. On est ravis de t'avoir avec nous. Tu es venu nous voir, je pense, l'année dernière. En tout cas, ça fait un bon petit moment. Ouais. Mais on est content de te recevoir à nouveau. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille sur justement le ministère, la vie de famille, comment on trouve sa place et l'équilibre, c'est ça ? L'équilibre entre les deux, tout à fait. Exactement, parce que tu es toi-même marié. Oui. Et tu as deux enfants, un tout frais, tout frais, tout frais. Mathéo. Exactement. Et donc, tu vas pouvoir nous parler d'expérience et tu as vu toi-même tes parents qui ont servi le Seigneur aussi. Ouais. Donc, je pense que tu as des choses à nous apprendre dans ce domaine-là. Donc, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci, Evelyne. Merci à toi. Et Annabelle, tu nous as préparé, j'espère, une belle pensée du jour. On va le savoir, en tout cas, parce qu'on commence tout de suite. J'aimerais vous poser la question... Qu'as-tu mis sur l'autel ? Et pour faire référence à ce que Abraham a vécu avec son fils Isaac, lorsque Dieu lui a dit « Prends ton fils unique pour l'offrir en sacrifice ». Et cette histoire peut quelquefois nous faire un petit peu froid dans le dos. Dieu demande ce que Abraham a de plus précieux et pourquoi, etc. Et du coup, dans une optique religieuse de Dieu, de la vie chrétienne, on se dit « Plus je souffre, plus c'est dur et plus je suis spirituel. » Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'a dit à Abraham que de prendre son fils Isaac. Il n'a pas dit « Prends ta femme aussi, mets-les tous les deux sur l'autel. » Et si Abraham avait eu une mauvaise conception, il aurait dit « Isaac, c'est dur de le mettre sur l'autel, mais Sarah, ce sera aussi encore plus dur de perdre les deux. Alors je vais prendre ma femme et mon fils et je vais les mettre sur l'autel. » Et on connaît l'histoire lorsqu'ils arrivent finalement, Dieu a pourvu. Il y a un bélier dans un arbre et Dieu dit à Abraham, c'est beau, reprends ton fils, regarde, il y a un bélier, j'ai pourvu. Jéhovah Jiré, nous découvrons le Dieu qui pourvoit. Et lorsque Dieu nous dit de mettre quelque chose sur l'autel, de mettre quelque chose de notre vie sur l'autel, il y a une provision. Mais j'aimerais vous rappeler que suite à ce récit, si Abraham avait décidé par lui-même de mettre Sarah sur l'autel, il n'y avait pas de provision pour Sarah. Il y aurait juste eu une perte inutile. Il y aurait eu un meurtre. Ce qui était un acte d'adoration serait finalement devenu un assassinat. Et lorsque nous mettons sur l'autel des choses que Dieu ne nous a pas demandées, parce que nous sommes motivés par la religion, nous sommes motivés par un esprit de souffrance, comme je disais, plus je souffre, plus je suis spirituel, nous allons perdre. Et lorsque nous mettons sur l'autel ce que Dieu nous demande de mettre sur l'autel, il y a une provision. Il y a une provision surnaturelle. Alors je veux vraiment vous encourager à mettre sur l'autel seulement ce que Dieu vous demande, à ne pas avoir des excès de zèle poussés par je ne sais quoi, peut-être un mauvais enseignement, une mauvaise éducation, toutes ces sortes de choses. Ce que Dieu te demande de mettre sur l'autel, mets-le sur l'autel. Mais ce que Dieu ne te demande pas de mettre sur l'autel, ne le mets pas sur l'autel. Amen. Amen. C'est vrai qu'on a des fois une mauvaise conception
du service. On pense que forcément, ça va impliquer une souffrance, que ça va impliquer un sacrifice, qu'on va devoir avoir vraiment peut-être plus d'argent pour nourrir nos enfants, qu'on devra déménager à l'autre bout du monde dans des conditions catastrophiques. Et puis, plus on souffre, plus on est spirituel et plus on sert Dieu. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Il y a un sacrifice qui est pour Dieu, que Dieu nous demande de faire, duquel il va nous donner une grâce, mais il y a un sacrifice qui vient de nous, qui nous infligeons une souffrance. Un verset que Jésus nous a donné dans Matthieu 11, 30, c'est notre verset du jour. Jésus a dit « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Ce verset, on le connaît très bien, mais ce que ce verset signifie, c'est que quand on prend le joug du Seigneur, quand on prend finalement ce service, quand on porte notre croix, comme on peut le formuler différemment, c'est doux et léger. Donc oui, il y a peut-être une souffrance qui s'implique, mais il y a une grâce qui accompagne cette souffrance. Mm-hmm. Parce qu'Annabelle, souvent, tu le disais dans ta pensée du jour, Abraham qui va choisir de sacrifier Sarah et Isaac, on peut s'imposer nous-mêmes une souffrance que Dieu finalement ne nous a pas demandé de faire. C'est Watchman Nee qui disait chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu devrait avoir la pensée du sacrifice. Ça veut dire je suis prêt à tout sacrifier, mais ça ne veut pas dire que je vais tout sacrifier. Je sacrifie sur la parole de Dieu, en fait. Et c'est vrai, je pense qu'il y a vraiment tout un arrière-plan de religion et de tradition qui nous dit plus t'en sacrifies, plus t'en donnes et mieux ça va être, mieux tu vas être vu par Dieu. Parce que on a aussi la pensée de l'Ancien Testament, tous ces holocaustes, etc. Mais en fait, Jésus s'est déjà donné un sacrifice vivant. Et aujourd'hui, notre plus grand sacrifice, c'est notre chair, en fait, la plupart du temps. C'est notre propre chair. Et on lit dans Matthieu Jésus qui dit que celui... oui, c'est ça. c'est plus sûr. Non, parce que je voulais le dire dans ma pensée, puis j'ai oublié de dire ce point majeur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, et souvent quand on parle de sacrifice, on pense à tous ceux, à notre mariage, à nos enfants, à un métier, etc. Et tout, ça peut faire partie des sacrifices, mais on oublie qu'en fait le plus grand des sacrifices que Dieu nous demande de faire, c'est nous-mêmes, c'est notre chair, c'est notre propre crucifixion, et ça on l'oublie souvent, et c'est pour ça qu'on a tendance aussi, je crois, à mettre sur l'autel des choses que Dieu n'a pas demandé parce que ça, on contourne un peu le vrai sacrifice. Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mais quelquefois, bah, quand Dieu nous demande juste de pardonner, on a l'impression que si on fait un sacrifice, un vœu de pauvreté, et bah, ça va comme effacer le non-pardon. C'est vrai. Et on a l'impression que le sacrifice joue encore ce rôle-là dans nos vies, mais c'est plus le cas. Donc soit on vit encore sous la loi, soit on vit plus sous la loi, mais un petit sacrifice par-ci, par-là, c'est pas ça qui va faire l'affaire, et c'est pas ça qui va nous faire avoir la cote devant Dieu. Il faut dire aussi qu'on apprend beaucoup par l'imitation. Puis quand on veut servir Dieu, on regarde aussi ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et puis c'est normal et c'est légitime qu'on regarde ceux qui nous ont précédés dans le service de Dieu. Et il faut dire quand même que beaucoup ont fait de gros sacrifices. Et la plupart du temps, c'est des sacrifices qui étaient nécessaires pour accomplir l'œuvre que l'Éternel avait préparée pour eux. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut nous faire tous comme nos prédécesseurs dans la foi. Il faut attendre que ce soit vraiment Dieu qui nous demande ce sacrifice-là. Et comme le dit Annabelle, si on sacrifie notre chair et qu'on est dans l'obéissance, on va être amené à faire certains choix que d'autres n'auront pas à faire. Oui. Mais il ne faut pas anticiper les sacrifices, il ne faut pas les créer artificiellement pour être plus spirituel ou pour plus ressembler au frère untel qui a été un grand homme de Dieu. Parce que c'est dans ces cas-là qu'on rend nos familles malheureuses et qu'on fait des sacrifices qui ne sont pas nécessaires à l'œuvre que Jésus a préparée pour nous. Vraiment. Donc il faut être sage. Et puis notre modèle, c'est Jésus. Et le modèle d'obéissance, c'est en lui qu'on le trouve. On peut admirer ceux qui nous ont précédés. On peut louer le Seigneur pour le modèle qu'ils ont été. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout comme eux, ils ont fait. Il y a eu des saisons, par exemple... Il y a eu ce prédicateur John Taylor qui était en Chine, qui a ouvert des choses là-bas. C'est vrai qu'il a perdu, Hudson Taylor, il a perdu ses enfants, je crois, qui sont décédés, etc. Mais c'était vraiment lié à un contexte particulier. C'était un pays où l'évangile n'était pas présent. Il a fait une percée spirituelle dans un endroit qui était très compliqué. Mais c'est son expérience, c'est son histoire, et c'est pas l'histoire forcément de tous les croyants. J'ai pas le même appel que lui. Ouais. Par exemple, je sais que mon père aussi est pasteur. Il a fait une percée parce qu'à l'époque, il n'avait pas de salaire. C'était un temps comme ça.
Mais aujourd'hui, en France, l'Église est établie, les offrandes sont là, il y a des trésoriers, des bureaux d'Église, et puis on n'est pas obligé de souffrir ce que nos pères ont vécu, parce que c'est aussi une autre génération. C'est vrai. Donc, ce n'est pas la même saison aussi. C'est ça. Puis, il y a un prix à payer pour servir Dieu, c'est une certitude, c'est une vérité, il y a un prix à payer. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de prix à payer, mais cette différence, c'est vraiment justement de vouloir à tout prix penser que je ne souffre pas assez. Là, j'ai un petit moment de joie, de bonheur dans ma vie, un moment de quiétude. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je souffre pour servir Dieu. Et c'est une mauvaise conception du service. Puis c'est très dangereux parce que ça peut nous pousser à prendre des décisions qui vont mettre en péril notre famille, qui vont mettre en péril même notre ministère. Peut-être certains vont penser justement, il faut absolument que je déménage dans un pays en guerre ou un pays hyper persécuté. Mais Dieu ne l'appelle pas du tout là. Il l'appelait à rester dans son pays, puis à briller dans son pays. Puis il va aller se sacrifier là-bas. Et c'est une tragédie. Ouais. Et le thème de l'émission, c'est quel sacrifice implique réellement. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il faut discerner entre les sacrifices qui viennent avec notre appel, avec ce qu'on doit faire. Les sacrifices en temps, en argent des fois même, en loisirs, toutes ces choses-là, et ce qui sont des sacrifices extra que nous-mêmes, on se rajoute. Et des fois, c'est la conception qu'on a aussi du service, la conception qu'on a du ministère, comme Anne l'a dit, par rapport aux personnes qui sont venues avant. Et ça, c'est important d'amener aussi nos pensées devant Dieu et vraiment laisser le Saint-Esprit nous guider sur notre chemin, nous, en sachant que notre appel, il est spécifique à nous et notre chemin, il est spécifique par rapport aussi à notre personnalité, par rapport à ce que Dieu a mis en nous, par rapport au message que Dieu nous donne. On n'a pas la même onction que la personne à côté. Et moi, par exemple, juste un cas rapide, je me rappelle par exemple que j'ai épousé un homme de Dieu. Et avant, ce que j'entendais du ministère et ce que j'entendais de ce que la femme du pasteur, vraiment, c'était ces sacrifices un peu... Tu vas souffrir. Tu vas souffrir, c'est voilà. Tu verras jamais toutes sortes de choses. Mari. Et c'était vraiment... C'était acquis, en fait, c'est tout le monde pensait comme ça, il pensait bien faire quand il te disait ça. Et il y a quelques années, j'ai lu un livre de Kay Warren, qui est la femme de Rick Warren, et ça m'avait touchée. Pourquoi ? Parce que le titre de son livre, ça s'appelait « Sacred Privilege », ce que c'est être femme de pasteur, en fait, c'était un privilège sacré. Wow. Et c'était vraiment, j'avais jamais entendu que c'était un privilège d'être une femme de pasteur. J'avais toujours entendu que c'était la croix, tu l'as aimé, ben tu vas souffrir. Et ça, juste pour ça, j'ai acheté le livre et je l'ai lu, et c'est ça, en fait, je me suis rendu compte, c'est la façon dont on aborde. Et si j'aborde le service de Dieu en disant que c'est le meilleur entre guillemets employeur, je veux dire servir Dieu c'est la meilleure des choses. Amen. Oui, j'aurais des sacrifices entre guillemets, comme quelqu'un qui va à la banque, qui doit se lever le matin, mais il y aura une grâce et puis ça va être bien. Et donc du coup, même ces sacrifices entre guillemets ne sont pas réellement des sacrifices, mais c'est vraiment une offrande de... Et c'est avec joie que je le fais. Mais quand je n'ai pas cette révélation de qu'est-ce que le service de Dieu, ben c'est là que je vais faire des sacrifices selon la culture dans laquelle je suis ou selon ce que les pères ont fait, etc. Et là, je vais rendre ça tellement plus lourd et ça va être devenu non doux et léger, mais plutôt lourd et lourd. Et lourd. Et lourd. C'est qu'il y a beaucoup de bonheur à servir Dieu. Hein. Ouais. Il y a plus de joie que de tristesse à servir Dieu. C'est bon, pas aussi. Hein. Amen. Puis après, il y a des choses que Dieu demande. Par exemple, il va demander au jeune homme riche, va, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres. C'était par rapport à lui, ça aussi. C'est une parole spécifique pour lui. C'était son sacrifice à lui. Il avait sûrement un problème avec l'argent. Mais son sacrifice à lui, pas forcément le sacrifice que Dieu va me demander à moi. Ça peut être autre chose aussi. Mais je voudrais rajouter quand même quelque chose, parce que là, on dit les sacrifices que moi, je vais consentir. Mais je voudrais aussi peut-être faire une mise en garde, parce qu'il y a des gens qui sont des formateurs et qui exigent de ceux qui leur sont confiés. Il y a des gens qui vont exiger des sacrifices... Mais humain, c'est pas Dieu qui les demande sous prétexte de former les plus jeunes. On parle d'un pasteur et d'un stagiaire, c'est ça? Pour ne pas hésiter. Je veux dire, ça part peut-être d'une bonne intention en disant, dans le ministère, ils vont devoir encaisser des trucs, donc il faut les préparer à encaisser. Et moi, je voudrais dire à ces gens-là, Dieu est assez grand pour se charger de notre éducation dans le domaine. Et la vie avec Dieu est ainsi faite que oui, il y aura des choses qu'on va devoir surmonter, des sacrifices qu'on devra faire. C'est pas la peine de les anticiper avec un désir mal placé de pédagogie. Non, c'est... Et je crois qu'il y a beaucoup de maladresses et beaucoup de souffrances qui seraient épargnées aux gens qui se forment pour le ministère si leur formateur était raisonnable et attendait que le Seigneur lui-même suscite des moments d'épreuve au lieu de les susciter de manière complètement artificielle et humaine et qui entraîne parfois même des capitulations. Moi, j'ai connu des gens qui sont débarqués du ministère parce que c'était trop dur. Pas
parce que la vie était trop dure, pas parce que le service que Dieu leur demandait était trop dur, mais parce que leurs formateurs leur ont imposé des choses qui étaient absolument pas nécessaires à ce moment-là, en tout cas. Oui. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de, grâce et il n'y a pas de provision. Oui. Parce que si on en revient à Abraham et Isaac, ça aurait été quelqu'un qui aurait dit à Abraham, il faudrait que tu ailles mettre ton fils sur l'autel, que tu sacrifies ton fils parce que on sait pas trop, tu vois, on va éprouver tes sentiments, on va éprouver tes motivations. Bah, là, tu y vas et tu tues parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de provision, il ne se passe rien. Tu te dis, bah, pourquoi ? Et puis, de coup dur en coup dur, plutôt, il y a vraiment une mentalité qui va se former. Puis, on en arrive à une fin de vie, on se dit, bah, c'était ça la vie avec Dieu, finalement. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de nous demander de faire des sacrifices seulement pour nous éprouver, savoir quel est notre cœur, etc. C'est parce qu'il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a quelque chose, si je renonce à quelque chose, parce qu'il y a autre chose à gagner. Amen. Et il y a quelque chose à gagner qui, dans ce à gagner, il y a un intérêt pour Dieu, il y a un intérêt pour le royaume de Dieu. Peut-être que moi, j'ai dû renoncer à mon intérêt pour les intérêts de Dieu. Mais ça nous fait penser plus haut plutôt que de dire « je vais prouver les motivations de Nadine, etc. » Non, si Dieu demande aujourd'hui à Nadine de renoncer à quelque chose, c'est pas juste pour éprouver le cœur de Nadine, c'est parce que lorsqu'elle va renoncer à cette chose, elle va... il y aura de la place pour autre chose qui va pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. S'il y a une parole qui peut résumer tout ça, il n'y a pas de bizutage pseudo-spirituel. Dans le royaume de Dieu, ça n'existe moi, c'est, pas le bizutage. C'est clair. La Bible dit que Dieu rendra notre front semblable à un caillou, mais c'est pas nous qui allons devoir nous frapper avec une pierre jusqu'à ce qu'on ait de la corne et que ça devienne tout dur. C'est que Dieu peut aussi nous donner une grâce pour supporter les choses sans qu'on y ait été forcément préparé auparavant. Amen. C'est ça. Et j'aimerais juste dire, il y a une phrase que le pasteur Stéphane a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a de la joie dans le service pour Dieu. Et ça, c'est super important parce que des fois, des titres comme ça attirent les gens qui, eux, sont déjà dans l'auto-condamnation, dans le sacrifice. Donc, ça va vraiment me pousser encore dans la même lancée. Mais vraiment de dire, en fait, qu'il y a de la joie dans le service. Ouais. Et si ton service n'est que sacrifice et aucune joie, il y a matière à prendre un temps. Un souci. Et laisser le Seigneur vraiment... Mais le drame, c'est que dans la vie de certains serviteurs, c'est que c'est trop tard qu'on découvre à quel point c'est une bénédiction et que c'est un privilège. Et je connais des gens qui ont passé 30 ans à gémir et qui, au bout de 30 ans, se rendent compte à quel point ils ont été privilégiés de voir Dieu agir, de participer à une œuvre aussi glorieuse que celle du royaume de Dieu. Et nos petits inconforts du jour, pour reprendre un peu l'idée de l'apôtre Pierre, eh ben, c'est tellement peu de choses par rapport à l'œuvre à laquelle on contribue. Amen, amen. Stéphane, on va enchaîner avec toi. On va voir justement, parce qu'on sait que parmi les sacrifices qu'on croit en tout cas devoir mettre sur le... Enfin, qu'on croit devoir faire, il y a celui de la famille, se sacrifier de sa vie de famille et délaisser parfois femme et enfant. On va voir comment on peut équilibrer ces choses-là, puisque dit la Bible à ce sujet dans la rubrique famille. Donc Stéphane, je le disais en début d'émission, tu es marié, tu as deux enfants, tu es fils de pasteur, aumônier et... Bien pastorisé, et voilà, évangéliste, ton papa a de multiples casquettes, tout à fait. Et j'ai un frère aumônier de prison aussi. En plus, donc voilà quoi. Vous bien êtes entouré. Une bonne équipe qui servait Dieu. Tout à fait. Mais je pense que ta femme n'est pas en souffrance terrible parce que tu es pasteur. Non, il y a un équilibre et en fait, j'avais partagé avec vous une pensée justement sur l'équilibre entre le ministère et la famille. Et j'étais très interpellé par une femme qui s'appelle Bruni Ware, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Donc, ce n'est pas très joyeux, mais on verra qu'il y a un but quand même. C'est sympa le titre du livre. Mais c'est très parlant, les 5 regrets s'affichent. Et du coup, c'est une femme qui travaille en Australie, elle est infirmière, et elle s'occupe dans les soins palliatifs des gens qui vont décéder. Et elle a fait donc plusieurs patients et elle s'est rendue compte que ces 5 regrets qui s'affichent sont les 5 plus grands regrets des patients en fin de vie, en tout cas en Australie. Est-ce que tu veux peut-être les lire pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire tout ? Donc le premier, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas la vie qu'on attendait de moi. Par exemple, j'aurais voulu être un docteur, on m'a forcé à être avocat, c'est trop tard maintenant, donc je meurs avec un regret. »
Le deuxième, c'est justement, je regrette d'avoir travaillé trop dur. J'aurais voulu passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, passer plus de temps avec eux, mais j'ai tellement travaillé que la vie est passée, maintenant c'est trop tard. Le troisième regret, c'est j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Jamais j'ai eu le temps de dire à ma femme combien elle était belle, à mes enfants que je les aimais, etc. Mes parents que je les aimais, ils ont rejoint le Seigneur et c'est fini. Et puis le quatrième regret, c'est je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Annabelle, tu vois, je suis en contact avec toi, Jérémy. Oh, t'es pas en famille. Surtout avec Jérémy. Il ne veut pas le regretter quand tu seras en fin de vie. Donc voilà, j'ai pas pris le temps d'aller en vacances avec eux, de passer un bon moment au restaurant, etc. Et le cinquième regret, j'aurais aimé m'autoriser, surtout au Canada, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Et c'est vrai que des fois, on n'ose pas, par exemple, ben, prendre maman et faire une petite danse avec elle dans le salon devant les enfants, faire quelque chose de fun. On n'ose pas le faire. Et souvent, les gens en fin de vie regrettent des choses. Et moi, mon désir, c'est que tous ceux qui nous regardent n'aient pas ces regrets en fin de vie. Mmh. Et surtout pas le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants et avec son époux ou son épouse. Mmh. Et bien souvent, j'ai remarqué, parce que je suis fils de pasteur, comme tu as dit, donc j'ai été pasteurisé, que beaucoup de gens pensent que le Seigneur leur demande de servir au point de ne plus passer de temps avec ceux qu'ils aiment. Mmh. Et ça, c'est vraiment faux, c'est pas du tout biblique. Et il y a un psaume qui dit, psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Mmh. » Et bien compter ses jours, je crois que c'est mettre justement les bonnes priorités. Mmh. Et Colossiens 4, verset 5 dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Mmh. » Et racheter le temps, pour moi en tout cas, c'est plus le perdre. Mmh. C'est aussi mettre les bonnes priorités, passer du temps avec notre famille. Mmh. Et je crois que, en tout cas, comme je disais, j'ai vu beaucoup d'enfants de pasteurs avec qui j'ai pu discuter, et surtout dans les générations passées, hein, maintenant ça change un petit peu, qui ont eu des blessures, par exemple, très très longues à guérir, parce que le papa était toujours à l'église à faire des réunions de droite, de gauche, la maman aussi, et du coup ils se sont sentis vraiment délaissés, abandonnés, et certains sont convertis très tard, au lieu de venir rapidement à Christ, sont convertis vers la quarantaine, la cinquantaine d'années, et d'autres même se sont jamais convertis. Et ça, c'est pas du tout, on va le voir, le plan de Dieu. T'as amené des centaines de personnes au Seigneur, mais tes propres enfants, eux, t'as pas réussi à les amener. C'est dramatique. C'est affreux. Et vraiment, j'aimerais remettre un point de doctrine important, vraiment, qui a été prêché pendant des années, c'est qu'avant le ministère et avant le service, il y a la famille. La priorité, c'est Dieu, la famille et ensuite le ministère. Autant, je sais que mon père, il y a de cela 20-30 ans, l'aura enseigné. D'abord, c'est Dieu, le service qui va avec Dieu et après la famille. En fait, c'est le contraire. C'est Dieu, la famille et le service. Et dans notre église locale, on enseigne aux gens qui servent que la priorité, justement, ce n'est pas le service, mais c'est Dieu. Et Dieu, c'est avoir une communion, une relation avec Dieu. Ensuite, la famille. Et ensuite seulement le service. Mmh. Et si on sent parfois que les gens sont dans le déséquilibre, on les encourage, on les reprend, en les gens d'en passer du temps en famille. Oui. Ne détruisez pas votre famille pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et il y a un passage justement dans 1 Timothée 5, verset 8, un passage qu'on prêche très peu mais quand même biblique, qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est terrible, hein, et principalement de sa famille, il a renié la foi » et il est pire qu'un infidèle. Amen, amen. Donc ça veut dire que... Oh là, on sent qu'il y a du vécu, amen, là. Et... amen. Donc c'est une épître pastorale, Timothée. Hein. Ouais. Donc ça s'adresse à un ministère ou à un ancien. Et clairement, Paul rappelle donc au ministère ou à l'ancien que son ministère principal, avant de gagner le monde, c'est gagner ses enfants et c'est gagner sa famille pour le Christ. Et je crois que c'est impossible de gagner, en tout cas, ses enfants pour le Seigneur si on ne passe pas du temps régulièrement avec eux. Mais oui. Donc ça peut être dans la semaine, peut-être organisez-vous, ça peut être le mercredi, prenez un jour de congé, coupez le téléphone, amenez les enfants au parc, faites une soirée avec eux au cinéma, mais passez du temps avec eux et vous contribuez à travailler à leur salut. Parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir voir la manifestation de l'amour de Dieu au travers des choses aussi pratiques de la vie de tous les jours. Amen. Et en tout cas, c'est le cas de ma famille, puisque mon père a été quand même, après là, je pense que c'est plutôt mon grand frère et ma grande sœur qui ont beaucoup souffert, c'était une autre génération, puis cet enseignement et ensuite est rentré dans l'église, que c'est d'abord Dieu, ensuite c'est la famille, ensuite le service, il a rééquilibré les choses. C'est vrai que c'est nouveau quand même, cet enseignement, c'est ces dernières années qu'on en parle, peut-être, je sais pas, les 15 dernières années qu'on commence à faire en parler. Parce qu'on a vu les dégâts. Ouais. Parce que justement, on a vu les dégâts, puis on a dit, il faut en parler, et ce que tu fais aujourd'hui contribue à ce qu'il y ait un équilibre qui soit rétabli dans les, chez les chrétiens. Tout à fait. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui ont vécu des dégâts. On veut vraiment prier pour vous en fin de cette émission pour que Dieu puisse vous consoler, vous guérir. Amen. Mais en tout cas, la joie de notre famille, c'est aujourd'hui, avec cet équilibre, d'avoir tout le monde dans l'église. Est-ce que peut-être la photo de ma famille peut s'afficher ?
C'est possible. Chère famille. Mm-hmm. C'était pris pour oui, oui, elle va s'afficher, les 50 ans de mariage de mes parents. Oh, 50 voilà, on ans était tous ensemble là. Mmh. Donc voilà, wow. On est tous dans l'église et là c'est mmh. que les, c'est que les. T'es où, toi, je te vois pas. Mais t'es pas sur la photo. T'es pas sur la photo. Ah, non, c'est les petits enfants en fait. Ok, ah. C'est les petits enfants. Ah ok. Et tous les petits enfants sont dans la maison de Dieu avec nous, dans l'église, ils servent le Seigneur. Mmh. Et il y a aussi les enfants, donc on est quatre qui sont aussi dans l'église. Mmh. Et quelle joie le dimanche matin pour mon père qui a 70 ans de prêcher et de voir tous ses enfants et ses petits enfants dans la maison de Dieu engagés dans le service pour Dieu. Amen. Et c'est ce que je souhaite pour tous les serviteurs de Dieu qui nous regardent, que vous puissiez gagner vos enfants pour le Seigneur. Mm-hmm. C'est le premier des ministères que vous avez reçus. Mm-hmm. Et je pense à une femme qui s'appelle Susanna Wesley, mm-hmm. qui a prié et qui a enfanté des hommes de réveil, notamment Charles et John Wesley. Mm-hmm. Alors, elle n'avait pas un service à l'église très visible, mais son service, c'était l'intercession. Mm-hmm. Prier, en tout cas... Anne ouais, a bon. Fait une rubrique flashback. Anne et Susanna sont bien. En tout cas, son ministère, c'était l'intercession. Elle priait pour ses enfants. Elle prêchait aussi. Elle prêchait aussi. Je pense en tout cas que ses enfants ont gagné plus de gens à Christ oui. que elle. Ouais, dans le sens qu'elle a beaucoup prié pour avoir des hommes de réveil qui vont gagner des foules à Christ. C'est un terrain glissant. Voilà. Et en tout cas, elle a engendré des hommes de réveil. Et je vous encourage, merci Anne, alléluia, à prier pour que vos enfants soient des enfants de réveil. Amen. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de servir dans votre église locale de manière visible, mais si votre ministère et votre but, c'est prier pour que vos enfants soient des enfants de réveil, vous avez gagné vraiment la vision de Dieu. Amen. Il y a une femme dans mon église comme ça qui a beaucoup d'enfants et elle est des fois frustrée. Elle me dit, j'aimerais tellement voyager avec toi, avec mon mari, venir. Mmh. Et une fois, je lui dis, mais sois pas frustrée, mais tu voyageras pas avec moi. Mmh. Et puis elle m'a dit, mais c'est pas sympa. Mmh. Je dis, non, parce que pour moi, ma vision pour toi, c'est que tu gagnes ces nombreux enfants que tu as reçus et ton premier ministère, c'est soit à la maison, soit avec eux. Aime-les, et c'est vrai qu'elle a gagné tous ses enfants au Seigneur. Mmh. Et c'est vraiment la priorité. Il y a un passage dans Marc 8, verset 36-37, qui dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» On peut paraphraser en disant « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd ses enfants ?» Mmh. Donc la priorité, c'est vraiment les enfants. Mmh. Pour revenir aussi rapidement sur une épître pastorale, encore une fois Timothée, quand il est parlé des évêques qui sont les pasteurs ou les surveillants, dans 1 Timothée 3, versets 4 et 5. Anne est active dans la rubrique. Je sens dans ce sujet, je suis à fond dans ta rubrique. Je sens qu'il y a du vécu, Anne, ça me touche. Il est dit que l'évêque doit bien diriger sa propre maison. Amen. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Donc tous ces passages nous ramènent à la priorité qui sont la famille. Mmh. Et juste pour terminer, j'ai un témoignage qui m'a aussi un jour beaucoup touché. J'étais avec ton mari à une pastorale, j'ai réussi à venir à une pastorale en France. C'était à Mulhouse. Mmh. C'était super, on a eu un super temps. Et le pasteur s'appelait Johannes Armitzer. C'est un Autrichien. Mmh. Et c'est un fils spirituel de Reinhard Bonnke. Mmh. Et c'est quelqu'un qui a ouvert 600 églises dans le monde. Il a un ministère de puissance, il était délivré de la drogue, il était chez Teen Challenge, tout ça. Et un jour, il disait qu'il voulait encore gagner du monde pour le Seigneur, ce qu'il continue à faire. Et il a trouvé son père spirituel, Reinhard Bonnke. Et il lui a dit, Reinhard, donne-moi un conseil pour le ministère. Et écoutez bien le conseil d'un homme qui est loin de Dieu. Okay. Il va lui dire, va au cinéma avec ta femme, tu ne sauveras pas le monde. Et il a sorti ça, j'ai trop aimé, à une pastorale, comme pour rappeler l'équilibre au pasteur en disant, c'est bien, vous implantez des églises, vous ouvrez des églises, vous faites des baptêmes, mais n'oubliez pas votre épouse. Mm-hmm. Et je trouve ça super équilibré de dire ça, en tout cas, à des pasteurs. Et ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a ramené un verset dans Ecclésiaste 7, verset 16, où il est dit « Ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu toi-même ?» Donc en gros, on peut être sage et gagner des gens pour le Seigneur, mais pour moi, être juste à l'excès, c'est justement dépasser notre mission mm-hmm. et en faire tellement finalement qu'on sort du plan de Dieu et on perd nos enfants oui. pour le Seigneur. C'est dramatique ça. C'est dramatique, mm-hmm. mais c'est le cas de beaucoup de réalités, de beaucoup de familles en tout cas. Ouais. C'est dans vrai. Le ministère. Mm-hmm. C'est vrai. Mais je crois que les personnes ne s'en rendent pas compte. En fait, je crois qu'il y a le zèle et puis après ça, il y a toute cette mentalité aussi de sacrifice que tu ne te rends pas compte en fait, que tu perds tes enfants parce qu'ils sont dans ta maison. Mais après, c'est quand ils grandissent en fait, et là, il y a un fossé qui s'est créé et ça devient très, très difficile
à combler, en fait. Ça devient très difficile à combler. Je crois que c'est très important d'entendre de la bouche d'un pasteur aussi cet enseignement, parce que des fois, ta femme te l'a peut-être déjà dit à la maison plein de fois, mais tu y penses pas, ou vice-versa. Peut-être pour madame, c'est monsieur qui en a parlé. Mais c'est vraiment important, à la fin de la journée, quand t'arriveras, comme vous avez dit, en fin de vie, quand tes yeux vont être prêts à se fermer, c'est pas les millions de personnes là à qui t'as prêché, c'est ta femme, tes enfants, c'est eux qui seront autour de toi. C'est eux à qui tu vas manquer, les autres personnes vont se demander « Ah oui, c'est vrai !» Et puis ça passe à autre chose. Et ça c'est super important de savoir à quoi Dieu nous a appelés, mais de comprendre ça. Des fois, on minimise l'importance de la famille. C'est pour ça qu'on est capable de faire 15 000 réunions, mais on n'a pas le temps d'aller au sport avec notre fils. Mais vraiment, quand on comprend c'est quoi le cœur de Dieu, Dieu, dès le départ, on a parlé d'Abraham et puis d'Isaac, mais dès le départ, Dieu avait ce désir de la famille, ce désir de garder ce noyau-là, et c'est vraiment important de le faire. Je pense à un témoignage d'un ami à moi, qui est vraiment un homme de Dieu, et qui a vécu dans son ministère des temps vraiment bénis, et il faisait tellement de réunions, tous les soirs, il gagnait des gens, il y avait des guérisons, etc., des délivrances. Il avait 3 enfants. Et puis un jour, il a fait une longue période de jeûne, très longue période de jeûne. Il a jeûné pour dire au Seigneur, donne-moi plus de puissance. Mmh. Et donc, il a jeûné. Et au bout de son jeûne et prière, vers le bout, un soir, pendant qu'il dormait, il entend des bruits de pas dans la maison. Et il ouvre les yeux et il voit Jésus. Mmh. Et Jésus lui dit, tu m'as demandé comment mieux t'aimer, comment avoir plus de puissance. Et Jésus lui a dit, aime plus ta femme. Mmh. Et il m'a dit ça, j'étais révolutionné. Et il a pris son agenda, il a commencé à gommer plein de choses dans l'agenda. Mmh. Et son épouse elle priait pour ça depuis des années, elle souffrait énormément. Mmh. Et Dieu a restauré ce couple. Et aujourd'hui, ils servent Dieu en famille. Et ils ont gagné tous leurs enfants au Seigneur. Tous sont au Seigneur aujourd'hui. Mmh. Et je pense que si Jésus vous parlait d'être aujourd'hui, il vous dirait la même chose. Mmh. Ce n'est pas forcément plus de puissance, mais c'est prendre soin de ceux que Dieu nous a donnés et confiés déjà. Parfois, dans le couple, s'il y a un des deux époux qui se sent négligé, et vu qu'on est adulte, on va peut-être plus pouvoir le communiquer ou l'exprimer, mais ce qui est un petit peu plus traître, entre guillemets, avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas forcément la capacité de l'exprimer et ils ne le savent pas ce qui leur manque. Mm-hmm. Donc peut-être qu'ils ne viendront pas dire « Papa, j'ai besoin que tu sois plus souvent à la maison, etc. » Et c'est pour ça qu'on ne doit pas attendre que ce soit l'enfant qui vienne nous le dire. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Bah, moi, à mon petit niveau, il y a plusieurs années, mon sacrifice a été de sortir de ma maison. Quelques années après, mon sacrifice a été de retourner dans ma maison. Mais pour dire qu'il y a vraiment il y a des temps pour des choses que Dieu nous demande de faire, des temps où on fait certains sacrifices. Et dans ces sacrifices, il y a une grâce et il faut obéir à la voix de Dieu. Et quand Dieu nous dit retourne dans ta maison, retourne t'occuper de ta femme, retourne t'occuper de tes enfants, c'est parce que quelque part il y a un danger et il y a un ennemi qui rôde, il y a un ennemi qui veut dévorer les enfants, il y a un ennemi qui veut dévorer les couples, qui veut dévorer les familles. Et c'est à nous qu'à la fois on cherche des solutions pour des enfants, comment faire garder nos enfants, comment nos enfants peuvent aller mieux avec des docteurs, avec des programmes. Et je crois que Dieu veut dire à des parents, c'est toi la solution pour ton fils, c'est toi la solution pour ta fille qui a des problèmes à l'école, c'est toi la solution, Amen. C'est toi l'aide aux devoirs, c'est toi l'attention, c'est toi le temps de qualité Amen. Qui va rétablir des choses dans la vie de ton enfant. Je me souviens d'un très cher frère qui est maintenant décédé, qui était pasteur. Il avait 4 enfants. Et quand sa dernière fille était à l'école maternelle, la maman avait été convoquée par la maîtresse d'école. Et la maîtresse lui avait dit « Qu'est-ce qui se passe chez vous, madame ?» Parce que la petite, elle a vraiment des troubles du comportement qui sont typiques d'un enfant dont le père est parti. Elle dit « Est-ce qu'il y a des problèmes chez vous à la maison, madame ?» Et en fait, c'est parce que le papa était tout le temps à droite, à gauche, à faire des réunions, 36 000 réunions, des réunions d'évangélisation, des visites. Terrible. Et elle est rentrée à la maison, elle l'a dit à son mari. Son mari s'est pris la claque de sa vie. T'as une classe d'enfants où ceux qui devraient briller, être les plus heureux, sont les enfants des hommes et des femmes de Dieu. Ouais. Mais ils sont convoqués par la maîtresse d'école pour dire « c'est vos enfants qui ont un problème ». Alors, la base quand même de notre service, c'est de transmettre l'amour de Christ, que je sache. Et les premières personnes qui doivent être les réceptacles de cet amour sont nos plus proches. Amen. Et si un enfant souffre à tel point qu'à l'école, il a des problèmes comportementaux, mais on est complètement passé à côté de la cible. Complètement à côté de la traque, les amis, là. Bon, rajoutez 20 minutes à l'émission. Mais vraiment, parce qu'il y a des hommes qui vont le faire...
quasiment par corvée de rester chez eux, de s'occuper de leurs enfants. C'est quasiment, ils s'arrachent les tripes pour passer 3 minutes avec leur femme. À un moment donné, l'amour de Christ s'est répandu chez nos proches. Et si ces gens-là prennent pas soin de leur maison, ils sont pires que des infidèles. Moi, je regrette infiniment, mais le nombre d'enfants de pasteurs qui ne sont pas sauvés parce que leur père n'a pas pris soin d'eux, je regrette infiniment, mais tu peux avoir 200 personnes dans ton église, mais si ta femme est aigrie et que tes enfants sont pas sauvés, eh ben, t'as tout faux. La Bible dit d'ailleurs que dans Éphésiens 2:10, Dieu a préparé des œuvres pour nous, qui sont préparées d'avance, ces œuvres-là. Et on est appelé à servir dans ces œuvres-là et pas dans toutes les œuvres. Voilà. Et parfois, quand on me propose une mission ou quelque chose à faire, je dis, Seigneur, est-ce que c'est une œuvre préparée d'avance? Si c'est le cas, j'y vais. Mais si dans mon esprit, je n'ai pas la paix, c'est juste une œuvre en plus, donc je refuse. Et c'est aussi un bon équilibre pour savoir ce que Dieu veut qu'on fasse et ce qu'il ne veut pas qu'on fasse aussi. Mais moi, j'aimerais juste rajouter... Oh, tu voulais, vas-y. Ok. En fait, juste par rapport au service pour Dieu, moi, mon mari est pasteur et ils sont 6 chez eux qui sont fils de pasteur. Et donc, on est comme la deuxième génération. Donc, on a cette expérience à lui. Et donc, du coup, nous aussi, on élève nos 3 enfants. Et j'ai envie de parler, en fait, aux personnes qui, de bon cœur, ils ont toujours vu ça. Ils sont dans le zèle et tout, et tout, et tout. Et c'est comme si, inconsciemment, c'est pas qu'ils veulent pas s'occuper de leurs enfants, mais c'est comme si c'est plus gratifiant d'aller prêcher à une foule, évidemment, voilà, que de faire des dessins, ok? Mais c'est vraiment important, si c'est ça votre cœur, le Seigneur, en fait, il veut juste nous parler, il veut juste un cœur à cœur avec nous. Et on peut, nous aussi, en tant qu'adulte pasteur, de venir devant Dieu, Seigneur, est-ce que mon service, je le fais correctement comme toi, tu veux? Et puis, tu peux dire au Seigneur, tu sais quoi, je ne me retrouve pas, peut-être tu as été tellement loin, tu as été tellement souvent parti que quand tu arrives dans ta propre maison, tu n'as pas tes repères, tu as comme l'impression que ta femme et tes enfants, eux, ils sont bien rodés, c'est une machine qui est bien huilée, et toi, tu ne sais pas où te trouver, et là, tu es sur ton téléphone, tu es à la maison, mais tu es sur ton téléphone, tu es sur ton iPad, et c'est vraiment important aussi en tant que papa ou maman, en tout cas si c'est le cas pour des femmes, mais la plupart du temps c'est des hommes, de vraiment venir devant le Seigneur, de pas prendre ça comme une condamnation, parce que des fois on le sait, mais on n'agit pas, on reste comme ça parce qu'on ne sait pas désapprendre cette façon de fonctionner et réapprendre une façon active dans la maison. Et c'est vraiment de laisser le Saint-Esprit nous guider, nous donner vraiment la bonne directive et petit à petit, pas par pas, peut-être tu vas arriver par là ton enfant et puis vous n'avez rien à vous dire, il se dit, bah attends, je ne t'ai pas vu, qu'est-ce que tu veux? Mais de pas se relâcher et puis de persister jusqu'à ce que vraiment les choses changent en fait. Stéphane, est-ce que tu veux bien prier pour ces familles, ces personnes qui ont besoin d'être consolées parce que malheureusement, on ne leur a pas enseigné ça à temps. Peut-être pour des femmes, des enfants qui ont été blessés, mais aussi peut-être des hommes qui sont remplis de regrets aujourd'hui et qui, parce qu'ils ont mal fixé leurs priorités. Amen. Merci Père, on est devant toi, on veut te prier pour tous ceux qui sont derrière les écrans, qui nous regardent maintenant Père, et on veut relâcher et libérer ta guérison sur toutes les familles, sur les couples, sur les enfants, sur les petits-enfants de pasteurs qui nous regardent ou de serviteurs dans ta maison. Nous voulons déclarer Seigneur maintenant dans le nom de Jésus-Christ une restauration totale dans le domaine de leurs émotions, dans le domaine de l'âme, dans le domaine du cœur, dans le domaine des pensées Père, et je veux déclarer une sagesse qui vient de toi sur tous ceux qui nous regardent et qui te servent dans la maison de Dieu, qu'il y a une sagesse d'en haut qui vienne, Seigneur, pour prendre les bonnes priorités, faire la part des choses, Seigneur. On te prie pour cela et tu libères tous ceux qui nous regardent et du regret également, Seigneur, que vraiment il y ait une paix qui s'installe surnaturelle maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette magnifique rubrique. Merci à toi, Yoline. Tu as rappelé des choses essentielles. Et pour terminer, j'aimerais simplement vous dire que passer du temps avec votre femme, vos enfants, c'est spirituel aussi, parce que en fait, quand Dieu vous appelle, il vous a appelé en équipe, je nous le rappelle, nous ne faisons qu'un avec notre femme, avec notre mari. Et même si votre femme ne va pas prêcher avec vous, ou même si votre femme ne va pas porter les mêmes choses que vous, elle va peut-être porter, mais en arrière, dans certaines situations, parfois c'est en avant aussi, mais parfois c'est en arrière, mais elle porte avec vous. Et ce sera beaucoup plus facile de servir Dieu si vous avez votre femme qui vous soutient, qui est avec vous, si vous priez ensemble, si vous portez cette œuvre ensemble, mais aussi que vous passez des temps de qualité, votre couple va bien, votre couple est solide, votre famille est solide, vous allez être une équipe beaucoup plus forte et le diable n'aura pas la place de venir diviser et vous empêcher de porter le fruit que vous devez porter. Vraiment, merci à tous pour cette très belle émission.
On voit vraiment l'importance non seulement de la famille, mais aussi de ne pas s'imposer des sacrifices inutiles. Mmh. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Ne faites pas ce que Dieu ne vous demande pas de faire. Ça ne sert à rien de s'infliger des souffrances. On ne se flagelle pas, ce n'est pas la peine de le faire. Ça ne sert à rien, ça ne porte aucun fruit. Et comme Annabelle le disait en début d'émission, le premier sacrifice que Dieu nous demande, c'est celui de notre chair. Et ça ne demande pas forcément de vendre tout ce qu'on a et de partir en Chine, par exemple. On va se retrouver demain, Stéphane, on va se retrouver jeudi avec toi. Oui. Tu seras avec nous et demain, notre thème sera « Dieu approuve-t-il vraiment ce que tu fais ?» Et nous aurons une rubrique flashback avec toi, Anne, non pas sur Susanna Wesley pour rétablir la vérité doit être rétablie, mais sur une personne à laisser top secret. On verra, c'est une surprise. À demain et bonjour chez vous.